Heureux. Tenter Little Nightmares, on aimerait bien aller au bout, mais ça fait peur. Ça fait peur, je stresse. Voilà, je stresse, j'avoue. J'avoue tout. Bien stressant comme jeu. On avait réussi à sortir des cuisines. Wow, c'est beau. Je sais absolument pas si je cours droit, mais c'est beau. Cette lumière est saisissante. Je voulais tester un truc. En 2017, c'était déjà vachement beau les jeux. Hein. D'ailleurs, j'ai mis Batman Arkham City sur ma liste. J'ai vu Shifeyu commencer là. Ça a l'air pas mal, c'est un vieux jeu pourtant, 2011-2012 là je crois. Et pourtant, oh. Parce qu'il faut pas aller dans l'eau. Hein. Donc on est dans un bateau. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Enfin, ça se la raconte là, c'est vraiment... regardez comme on peut faire des jeux jolis. J'avoue, c'est classe. Donc on est sur un gros bateau. Après on le savait un peu, hein, ça tanguait beaucoup. Donc il y avait de fortes chances que ce soit un bateau. Après comme je sais pas trop dans quel type d'univers on est, ça aurait pu être je sais pas un vaisseau. Chose. Pokémon. On est dans Wally. Alors quoi qu'on trouve une barque pour s'échapper? Ah, j'aime, ça c'est toute la beauté de Little Nightmares. Ah ah! T'es bien bien droit. Et bah nique-toi. Voilà ce que me dit le jeu exactement. Mais surtout cela les grands. Des grands gens. Wow, non mais il y a vraiment de tout en termes de trucs. On peut monter là? La méchante? On ne sait pas. Youhou! 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 Donc est-ce qu'au fond il y a une petite comment ça s'appelle? Une petite poupée à casser là? Non. You teach me and I teach you Pokémon. Mettre sous la table hein, parce que. Donc tous eux ils se goinfrent et nous on bouffe pas là? Une chouren. Et Tata. Ah. Et que. Je suis écrasé. Par un. Un monsieur d'une taille raisonnable. Ah bouffer! Le gros monsieur.
Comment je fais là? Parce que je rentre quoi qu'il arrive. Peut-être que j'ouvre la porte plus. Je sais pas si je peux. Non. Là, quand j'arrive, quoi qu'il arrive, wing. Ah, faudrait peut-être que j'aille au fond derrière. Quoi qu'il arrive, il a faim, quoi. Je peux monter ou pas? Ah bah non. Et bah non. Pas tout capté sur ce que j'étais censé faire là. J'ai pas vu de cachette. Il faut courir par devant et Osef. Poursuit, vous filez aussi vite qu'une petite souris furtive. Ah mais il poursuit ad vitam lui. Où j'ai où? J'arrive à aller là-haut. Il faut que je monte sur la table. De toute façon ils me voient pas parce qu'ils sont trop occupés à bouffer. Oh la saloperie! Fallait que je fasse tomber la pile? Pas tout capté. Ah bah là j'ai pu. Ok. Ils sont infâmes. Tous les bruits et tout. Ah des yeux. Ok, mais là il y a un dessin de moi. Je sais pas si j'essaie d'aller là. Non. Il va y avoir un truc à faire forcément. Est-ce qu'ils vont tous essayer de me poursuivre? Non! Oh non! Elle n'est pas restée accrochée! Il y a forcément un truc à faire là. Allez, on recommence. Je dirais que je peux aller là-haut parce que là, ça, je peux pas pour l'instant. Oui. Monte. Ah mais c'était le vrai chemin, en fait. J'étais persuadé d'avoir fait un truc de fou. C'est juste le chemin. Mon chemin. En fait j'aurais dû suivre en bas pour faire le... Ah quoique. Ah faut que je passe derrière là-bas. Pas trop. Bon bah j'ai loupé des trucs mais tant pis. Ok, comment j'esquive lui? Je peux lui sauter dessus? Ouais. Ok. Oh genre il m'a chopé! Oh j'étais
si sûr que j'étais bien. Du coup, je repars d'où là? De là. Je pense que c'est la strat, hein, mais. Niveau timing, c'est chaud. Ah, on l'a vu. Comment j'y vais? On sait pas comment j'y vais, mais... Quoi? Mais comment il sait que je suis là? Comment il sait? Je vois pas comment je monte là-haut, par contre. On voit R. Il devrait pas savoir que je suis là. Ok, c'est le jeu qui veut que je fasse ça, mais... Ok, donc c'est un peu nul ça. C'est un peu nul. Je vois pas comment je casse le truc, faudrait que ça soit Michel qui le fasse tomber là en fonçant dedans. Non, ça marche pas. Fallait que je passe par en haut, je sais pas, il doit y avoir un truc, mais... Je sais pas comment je la fais tomber pour l'instant. Peut-être que c'est plus tard et qu'on y revient. Tant pis. MP. Il est derrière le PQ, il peut pas nous voir. Putain, il va pas chier là, hein. D'avoir un chemin par en haut. Comment je passe là-bas? Si je peux monter là. Mince. C'est pas des trucs que je peux grab a priori. Ça non plus, donc faut ressortir. Sortir. C'est pas un chemin. C'est un vrai miroir? Oui. Merde. Ouais. Y a un truc à faire dans le lavabo. C'est pas clair. J'ai pas du tout les refs là. Ça sert à quoi? Il est tombé peut-être. Il y a un passage là-haut, d'accord, mais... Ah, attends. Il y a un truc là. Non, on peut pas attraper le robinet? Non. D'accord, fort bien. C'est ça qu'il faut récupérer? Non. Ça, on est d'accord, je peux pas m'accrocher non plus. Là, y a rien. Et je peux pas sortir. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je sais pas. Encore un endroit un peu chelou là, on voit qu'il y a un passage par en haut, ça d'accord, mais comment je sors d'ici? Bien faire. Le jeu, allô? S'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai pas pu essayer? Genre, je sais pas, de boucher les chiottes.
Quoi ce gros machin là? Qu'est-ce que ça fout là surtout? C'est bizarre, non? Il sait rien faire. J'appuie sur tous les boutons du monde, il se passe rien. Oh, c'est stylé ça. Faire des traces. Yeah. Ah, mais ça dépend dans quel sens. Ah, je peux en faire que deux. Je sais pas. Bizarre. Bref. On peut jouer ou pas? Faire des trucs? Ah, je peux. Bon, je peux essayer de tirer, mais ça fait rien. Oh, ça m'ennuie. Ça m'ennuie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Qu'est-ce que je peux faire là? Je peux retourner dans le lavabo, mais. M'agripper à ça. Je peux pas sortir. Allô le jeu, aide-moi. Ah, faut genre jeter dans les chiottes. Une histoire de y a un truc dans le miroir que je vois pas a priori. Pourquoi ça jette par là? Bizarre. Ah ça y est j'ai. Voilà. Il est où le truc dur que j'avais là? J'avais pas un truc plus dur? Ah ça si je le jette dans le miroir. Peut-être que je peux passer à travers. D'accord. Ah donc du coup c'est vraiment dégueu parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui espionnent derrière là. Oh. Mais normalement ça c'est dans les films hein. Après ça paraissait logique puisqu'il y avait un chemin par en haut mais bon pourquoi pas. Je finis par accepter, en plus le truc était tombé du plafond, c'était pour dire qu'il fallait l'utiliser. Par contre la code. Dans quel monde j'arrive à aller jusqu'au bout sans tomber? Même pas d'ombre, t'as rien. On est vivant! Assurez-vous! Ok. On peut aller à gauche aussi. Ah en fait fallait faire des câlins à tous. Putain mais j'avais pas la ref. Tu peux me remettre une caméra où on voit? Il avait l'air d'avoir un truc derrière, non? Non? Ok. Joseph. Il va me sauter dessus, voilà, c'était sûr. Il allait avoir tout le voyage de Chihiro qui allait me courir après. Ils vont retourner la table. On féroce, hein. Ouais. Chaud là. Large. C'est bon? Top. Ah j'ai encore la dalle. Eh parce que moi j'ai pas mangé depuis tout à l'heure. Oh, il y avait des bouts de saucisse et tout, j'aurais pu hein.
Je sais jamais, faudrait que je leur tienne là, ces vagues-là, là, de quel artiste et de quel tableau ça vient là. Oh, il va me donner un vrai truc à manger là, je vais pas bouffer du rat ou un truc dégueu là. Péter la saucisse, gros. Ah, mais j'ai bouffé le bouve. Non, la saucisse. J'ai vu la saucisse. Oh, je suis deg. On pouvait choisir ou pas? Et la saucisse? Oh. Moi, je voulais pas manger le... Oh. Ouais, c'est retourné là. Bon bah voilà, j'avais vraiment faim, du coup j'ai mangé du papier à la place d'une saucisse quoi. Elle qui dirige tout là? T'es sûr? T'es sûr? Est-ce qu'il y a un truc à faire par là-bas? Non. Perspective. Follow the leader, 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 follow the leader. La salle de réception. Ok, donc c'était un autre chapitre, ça, je suppose, le 4. L'œil. Ici la voix. Oh, je suis vieux. Ok, il nous faut une petite clé. Et escape game en fait. Tiring, tiring, tiring. Où elle est la clé? Oh, il y a un truc sur son... Il y a une statue juste devant elle. Ça, c'est horrible qu'ils aient fait. Du coup, là, dans ma manette, je... Parce que là, on entend le bruit de mon cœur qui bat plus fort quand il y a des ennemis. Mais du coup, ça... Ça vibre selon le même rythme dans mes mains. Ça doit être là-dedans, c'est obligé. Et du coup, elle va pas savoir que je suis là. Je vois pas dans quel monde c'est pas là-dedans qu'il y a la clé. Elle se barre quand c'est comme ça ou... Ou elle m'attend? Il est où mon perso là? Tiens. Ça doit être marrant à regarder un speedrun de ça. C'est trop calme. C'est beaucoup trop calme.
truc derrière la porte. La classique. Ah ouais. Ça va être un ninja. Ça va trop vite. Putain, ça fait peur encore. De plus en plus... J'aime pas ça. Cours ! Il y en a une vraie dans le tas, c'est sûr. Faut aller où? J'aime pas... faire sauter dessus. Ça va me... il va y avoir un jumpscare, c'est obligatoire. Ça save. Il se passe ici. Y'a rien ici. Quand je vais retourner de l'autre côté, qui va se passer une dinguerie, c'était la save, c'est ça? Allez, on y retourne. Et la musique, y a tout. Hein. Donc c'est sûr que... ça c'est bizarre aussi, genre que... je sais pas. Ça dure en plus, ça dure longtemps. Ah, je pouvais monter là peut-être. Ok. Je ne sais pas. Oui, il faut ramener un truc sur ce truc-là pour qu'il se passe quelque chose. Ça, on peut le déplacer, non? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. C'est trop grand cette pièce-là, il y a forcément... laquelle là qu'il faut faire bouger pour qu'il se passe un truc. Allez, le jeu. Ok, c'est pas ça. Je peux pas trop la déplacer la chaise de toute façon, donc c'est pas vraiment ça le problème. Je sais pas. Y a une porte qui s'ouvre là-dedans là. Juste que je me cache en dessous. Non. C'est relou, en tout cas. Il veut pas me dire le jeu ce qu'il faut que je fasse. Aucune idée, là. Que j'ai fait tomber. J'arrive pas à ouvrir. Pourra nourrir. Hein. Ça, ça marche pas. Ça marche pas. Et les bouts de verre. Là, je peux pas les déplacer. Monter là-haut, il y avait rien.
Bah, au bout d'un moment, la caméra, là, elle a pas l'air de dire qu'il y a quelque chose au-dessus de ma tête. Il y a quand même pas mal de moments dans le jeu où tu sais pas hein, ce qu'il faut faire. Pas clair, quoi. Pour ramener un collier ici. Ah! Ça, je peux le prendre, ok. Bah, pour voir que c'était un truc que tu pouvais prendre, ça, bon, ok, c'était sur. Mais moi, je croyais que c'était justement. Ouais. Et faut que je fasse quoi? Faut que je lui donne? Pas du tout flipper. Hein. Mort, ça veut dire ça? Rien compris. Mort? Je sais pas. Que fun, hein? Je peux pas allumer la lumière en même temps, donc faut que je lâche. Je comprends pas trop. J'arrive à l'amener là-bas. Je bouge pas, est-ce qu'il se passe quelque chose déjà? Ok, je meurs quand même. Donc, on va essayer autre chose. Dès qu'il fait noir, je lâche le truc et j'allume ma petite torche pour voir si ça fait quelque chose. Peut-être que c'est le noir le problème. En tout cas, ça marche bien, hein. Je me chie dessus bien comme il faut. Hein. C'est. Supposer que c'est ça qu'il faut faire, mais j'avoue, j'en sais rien. Oh, bah alors là, par contre. Le jeu te dit rien, donc cool quoi. Très très heureux. Tu finis par crever instant, tu sais pas ce qui se passe. Tu es censé deviner quoi. J'avais lâché le machin, j'ai mis la lumière, ça a pas fonctionné. Et il y avait d'autres miroirs ou genre. Est-ce qu'il faut, je sais pas, genre, voir par la gauche? Ah, faut aller là où il y a la lumière, peut-être. Elle est où la lumière après? Ok, et là elle va apparaître par où? Ok. Donc fallait savoir qu'il fallait aller à gauche de la salle déjà. Donc ça fait gauche-droite. Je suppose qu'il faut aller vers le centre. Ouais. Donc c'est un peu cool, mais c'est dommage qu'ils aient commencé par la gauche, quoi. Ils avaient mis la lumière directe. Je me rapproche. Merde, je vois plus rien. Je vais mourir. Tu sais pas où la lumière apparaît, c'est nul, non? Pourquoi ils ont fait ça? Donc ça fait gauche, droite, milieu. C'est bizarre, je trouve, le gameplay. C'est là où il y a la poussière. Putain, j'ai pas tout capté. J'ai pas tout capté. Non, il y avait des pas là, mais c'est pas, c'est pourtant pas ici que va la. Ok.
Ok. Donc il y a aucun moment où il faut que je me rapproche du... Ok, donc là faut que j'arrive à savoir où va être la prochaine lumière, c'est ça qui est chaud. On va reculer parce que je l'ai pas vu tout à l'heure en avançant. Ok, fallait reculer, mais bon. Faut savoir quoi. Troisième fois. Quatre. Elle est morte ou pas? Ah, c'est plusieurs fois. Oh! Quoi? Oh la douille! Oh, fallait savoir. Bon, maintenant j'ai l'impression qu'on a toutes les phases, mais. Pouf. Je suis un peu fait niquer sur la dernière, je trouve. Je sais plus où elle est arrivée à... sur le dernier truc. Mais ok. On a tout. Peut-être le boss de fin, hein, je sais pas si le jeu est vraiment court ou pas. C'était où déjà la première lumière là? Hop! Cours! Oh, je vais mourir. Ouf, c'était chaud. C'est très très juste. En fait, tu la vois pas arriver. Là, je crois qu'à la fin, elle arrive de gauche, mais... Pourquoi ça a pas marché? Ça, si j'étais mort là-dessus, j'aurais eu le seum. En fait, comme... C'est toujours le même petit souci du jeu, hein, c'est la perspective, elle est très très dure à savoir où ça vient, quoi. Donc là, ça me tournait autour 2-3 fois, mais je me souviens plus où est-ce qu'elle a fini par arriver. Non, c'est 4 fois, je crois. Ok, ça c'était bon, vite, faut ramasser. Vite. Vite. Il va y avoir encore au moins une fois. Ça va arriver d'en face, j'espère. Ouais. C'est bon, elle est dead. J'ai peur. Hein. J'ai pas pris d'eau. Vas-y, on va la bouffer. J'ai faim. J'ai bouffé les machins en papier, moi je veux bien la bouffer elle, là. Hein. Voulait me tuer. Bah oui, j'ai faim. Vas-y, on va la bouffer. À moins qu'il faille prendre le truc qui est là-bas, mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? On peut pas le ramasser de toute façon. On va la manger, je pense. C'est horrible. En fais-moi la maline, hein. Ah mais du coup je vais devenir elle. Parce que là, ça veut dire quoi? Non, ça a l'air de venir vers moi, donc... je deviens le mal. Je vais avoir les yeux rouges. Du coup, Little Nightmare, c'est moi. Moi les petits cauchemars.
tout le monde me respecte. J'ai des pouvoirs de fou du coup. Oh, je vais buter tout le monde. Oh, la musique. Oh, je crois qu'ils vont arrêter de manger tous d'un coup là. Ouais. T'as ceux qui ont conçu le jeu, ça, ils doivent être au taquet sur le cinéma et tout. C'est que des plans de films un peu de partout quoi. La musique, enfin. On a la caméra qui monte. Là, je peux plus courir, peux que marcher, parce que marcher, ça fait plus seul. Je suis vilain. Les appartements de la dame, une tempête se lève, ce ciré peut vous être utile. Ah, c'est plus moi qui joue. Donc est-ce que c'est la fin du jeu ? Si oui, j'ai rien bité au lore. Ils m'aiment bien quand même eux, parce que j'en ai mangé un. Hein. Les portes vont se fermer. Non. C'est assez fou hein, parce que si c'est juste ça le jeu en durée, ils sont quand même donnés niveau graphisme, c'est quand même super beau quoi. Bon, par contre, je suis pas fait pour jouer à ce genre de jeu, hein. J'ai trop peur tout le temps. Et la 3D aussi qui parfois t'as du mal à avoir la perspective. Peut-être qu'il me manquait un peu d'ombre sur le personnage pour qu'on voit mieux le sol. Enfin, mieux où on était sur le sol, je sais pas. Mais ouais, je sais pas, on a joué combien de temps pour le finir? Genre 3-4 heures, c'est vraiment pas très long. Mais dinguerie quand même. Hein. Pas mal. Bon petit jeu. On peut pas passer. Je sais pas ce qu'il y a à la fin. Pardon. Il y a un pourcentage de progression ou alors c'est juste des succès Steam qui correspondent à avoir allumé toutes les lumières, avoir fait des câlins à tous les machins là. Casser toutes les. Petites. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Et en porcelaine là. Mais... une espèce de Matryoshka, mais avec juste un seul quoi. Il y a eu du monde sur le jeu quand même. Pour un jeu de 3-4 heures. Mais ouais, c'est normal qu'ils aient fait un 2 et pourtant je crois qu'il y a même un 3 qui est censé sortir cette année, mais... bah ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire une suite là. Mais le lore ouais il est un peu dur à capter. Du coup je sais pas si à la fin genre c'est quoi, c'est tu t'es fait broyer par le système, t'étais en bas de la hiérarchie, du coup tu bats le grand méchant du monde et tu deviens le méchant. Enfin, je sais pas trop. C'est juste une vengeance. Mais ouais, que ça soit ouais, esthétiquement, il y a une grosse proposition quoi. Même si pour moi, il y a beaucoup de références à droite à gauche. Ah mais c'est un jeu français. En plus, c'est vrai que j'ai pas regardé. Bah, vu les noms, c'est... ou alors c'est peut-être belge. Ou canadien. Little Nightmares.
C'est Tarsier Studio. Mais c'est qui Tarsier Studio? Au départ, ça a été fondé en Suède. Ah oui, bah il y a peut-être. Oui, il doit y avoir quand même une équipe française un peu dessus. Là, il y a une version mobile aussi. Ok. Ça, c'est super massive. Oh non, mais c'est pas les mêmes. Il fait le 3. Non, non, c'est suédois. Pourquoi il y a autant de noms francophones? Ça dit quoi de Little Nightmares 2? Il y a un autre personnage du coup dans le 2. Notre personnage, il s'appelait 6 a priori. 6. Ok, gros succès aussi hein, le 2 a priori. Ça m'étonne pas. Je sais pas si je jouerai à la suite. Parce que bah, parce que j'ai peur hein, tout simplement. Ce genre de jeu ça me stresse, mais peut-être ouais. Ah, mais y a tellement de gens qui ont bossé dessus. Mélodie Saint-Arnaud, ça c'est canadien ça. Après, comme ça a été publié par Bandai, je sais pas si Bandai ils mettent à fond leur truc dedans ou pas. Alors, tout ce qui est marketing, est-ce que ça vient de là? Il y en a du marketing. Hein. Tester. Et B, ils veulent pas qu'on passe en plus, hein. Vas-y, je veux savoir s'il y a un truc avec le pourcent à la fin. Voir ce que j'ai raté. Yoko Ono. Ah non mais ils veulent pas. Vas-y, j'ai vu. 8. Y'a pas une combinaison de touches qui permet de passer. J'aurais pu mettre ça. Hein. Bam 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 bam. Est-ce qu'on tente de mettre 3 musiques? Laissez-moi sortir! Au secours! Je suis emprisonné.
même la fonte, ils sont obligés de dire laquelle ils utilisent, quoi. Les petits cauchemars. C'est fini, les petits cauchemars. Ah, c'est tout, du coup, je suis sorti. Ils avaient déjà une preview de la suite? Merci d'avoir joué. Merci d'avoir créé une petite pépite comme ça, c'était bien. Il y a forcément un endroit où ils disent ce qu'on a réussi à faire et tout, non? Bonus? Non. Paramètres. Peut-être que sur la sélection de chapitres, on voit... C'est quoi les trucs qui sont en dessous? C'est quoi tout ça? Ah merde, base d'extension. Quoi ça? Contenu téléchargeable acheté? Secret of the Mo Expansion Pass. Ok, donc du coup il y a... Ah, ils sont pas cons. Hein. Donc ok, ces trucs là, c'est un DLC. Ok, mais par contre c'est bizarre qu'on voit pas notre complétion quoi. C'est juste des... Des comment? Des bonus Steam quoi. Et bah tant pis.